identifier le nombre que l'on a placé sur la droite graduée. Alors la droite graduée, elle est ici, et le nombre, ben, j'imagine que c'est celui-là qui est marqué par un point d'interrogation ici. Alors ce qu'on nous demande, c'est d'identifier ce nombre, c'est-à-dire qu'on doit dire quel est ce nombre alors je te rappelle déjà que quand on se déplace comme ça vers la droite, on a des nombres de plus en plus grands. Et ça, ça veut dire que le nombre qui est ici, le point d'interrogation, il est plus grand que 3 puisqu'il est situé à droite de 3, et il est plus petit que 4 puisqu'il est situé à gauche de 4. Donc le nombre qu'on cherche, on peut déjà dire qu'il est compris entre 3 et 4. Mais alors ce qu'il faut qu'on arrive à voir maintenant, c'est de combien il est plus grand que 3. Alors pour faire ça, il faut qu'on arrive à comprendre ce que signifient ces graduations qui sont là. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est compter combien il y a de, de, de petits traits. Hein. C'est-à-dire en fait, en combien de parties on a divisé l'intervalle entre 3 et 4. Donc on a ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites parties égales. Ça veut dire que chaque petite partie, donc celle-ci par exemple, ou bien n'importe laquelle des autres, représente en fait 1 dixième, puisque c'est une partie sur les 10, c'est un dixième. Alors maintenant qu'on sait ça, on peut... Partir de 3, de ce 3 qui est là, et compter combien on a de dixièmes pour arriver jusqu'au jusqu nombre qu'on cherche. Hein. Donc j'ai 3 plus 1 dixième plus un autre dixième plus un autre dixième. Donc en tout, en fait, je suis parti de 3 et j'ai ajouté 1, 2, 3 dixièmes. Donc en fait, le nombre que je cherche, c'est 3 plus 3 dixièmes. Voilà. Alors là, on l'a identifié. Maintenant, ce n'est pas la manière la plus pratique de l'écrire. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à identifier ce nombre en donnant sa forme décimale. Et pour ça, il faut se rappeler tout simplement qu'est-ce que c'est que la forme décimale. Donc, on va écrire ce nombre-là en parlant des unités, en disant combien il y a d'unités dedans. Voilà. Et puis combien il y a de dixièmes. Alors, les unités... Elles sont ici, il y en a 3, hein, donc j'ai 3 unités. Et puis, j'ai combien de dixièmes eh ben, C'est ce nombre-là, 3 dixièmes. Donc en fait, quand je dis 3 plus 3 dixièmes, c'est 3 unités plus 3 dixièmes. Donc je vais pouvoir l'écrire comme ça, c'est 3,3. Donc le nombre qu'on cherchait, c'est 3,3.